précédemment dans Règne. Tu as tué un homme dans la forêt, quand les païens t'ont forcé à choisir une personne à sacrifier. J'ai tué un homme qui s'apprêtait à en tuer un autre. Et chaque jour, je m'interroge, avait-il une famille? J'ai des oncles puissants et riches. Marie, le duc de Guise? Avez-vous idée de ce que vous venez de faire? Vous avez fait entrer le loup dans la bergerie. Ses pères, il est devenu complètement fou. Vous croyez que je divague? Nos forces sont parties pour Calais ce matin. J'ai besoin de l'armée du duc pour sauver la France. Il faut prendre ce château ou mourir en essayant. Non, pas encore. Les derniers instants sont encore plus difficiles à vivre que les mois passés à attendre. Et toi, tu ne cherches pas à voir Lys? Il a été enrôlé pour ne pas être jeté au cachot. Il ne reviendra jamais à la cour. Mieux vaut qu'il en soit ainsi. Pourquoi Sébastien n'est-il pas là pour accueillir son frère? Il est encore dans les bois maudits. Il pourchasse les ténèbres. Je ne sais pas ce qui le pousse à croire que c'est son devoir de le faire. Je veux seulement qu'il revienne. Qu'il m'éloigne de la cour et des monstruosités d'Henri. Voilà 200 ans, 200 ans que les Anglais occupaient le port et la ville de Calais. Mais ce n'est plus le cas. Calais est à nouveau à nous. Je suis fier de pouvoir dire que j'ai combattu aux côtés des plus valeureux soldats du continent. Et du duc de Guise ainsi que ses hommes qui nous ont aidés à remporter la victoire. Mentionnez votre père, François. Ne laissez pas cette charogne le faire en premier. En réalité, le véritable héros de Calais est l'homme qui a eu le désir d'une France libérée, d'une France unifiée. L'homme qui a orchestré cette victoire. Le roi Henri de Valois. Je crois que vous allez devoir travailler au corps cette crapule. Marie. Tu es revenu en vie, tu as tenu parole. Dieu est de notre côté. Non seulement nous avons repris Calais, mais j'ai aussi une grande nouvelle. Mes espions en Angleterre ont suivi de près l'agonie de la reine et sa descente en enfer. Après tant de rumeurs et une si longue attente, je vous annonce son décès. La reine d'Angleterre, Marie Tudor, s'est enfin éteinte. Tudor a trahi l'Église catholique, sa propre Église, en nommant une protestante sur le trône. Mais la volonté de Dieu ne peut être contestée. Pour l'heure, nous allons prendre le temps de savourer notre victoire, car nous savons qu'un jour le royaume de France possédera l'Angleterre, entraînant l'avènement de sa seule souveraine légitime, Marie Stuart. Je croyais que tu ne me pardonnerais jamais d'être allé à Calais plutôt qu'en Écosse. Et ta mère? Elle s'est échappée. Elle est en sécurité au château de Dunbar. J'ai pensé à toi toutes les nuits.